Vincent de Dienne, que l'on peut retrouver dès ce soir sur Énergie 12 dans la comédie Première Vacances, s'est un jour confié sur sa sexualité dans une émission, racontant notamment les dessous d'une soirée complètement folle. Ce mardi soir, à 21h10, Énergie 12 propose un film hilarant intitulé Première Vacances, dans lequel Jonathan Cohen et Camille Chamou incarnent deux amoureux qui décident de modifier leurs projets de vacances respectifs afin de partir ensemble en Bulgarie. Une comédie dans laquelle il est également possible de retrouver l'acteur et humoriste Vincent de Dienne. Un homme qui a parfois été pris de petits grains de folie, en témoigne cette incroyable anecdote sur sa sexualité dont il s'est souvenu en 2015 pour son passage dans le Dan Late Show, une ancienne émission de télévision hebdomadaire belge de la RTBF créée en 2014. En effet, celui qui avait fait son coming out dans son tout premier One Man Show, a raconté avoir participé à un plan à plusieurs après un concert de la chanteuse Anne Sylvestre. Une soirée totalement folle, à l'époque, j'étais jeune, j'avais une vie sexuelle affligeante et je m'étais inscrit pour aller à une partouze à Paris. Je me suis retrouvé dans un appartement avec 51 personnes complètement nues. Qui ne faisaient pas tous des trucs interdits par la loi. Il y avait des gens qui parlaient d'économie, tout ça. Mais à poil. L'acteur s'est alors réfugié dans les toilettes, se demandant alors ce qu'il faisait là, avant de s'échapper. À noter qu'en ce qui concerne sa situation sentimentale, Vincent de Dienne ne parle que très rarement. Et si on lui a souvent prêté une relation avec l'imitateur Michael Gregorio, il n'a jamais répondu à ces rumeurs. En revanche, il s'est déjà laissé aller à de rares confidences sur ce sujet pour Libération, en décembre dernier. Il expliquait notamment que son travail occupe une place importante dans sa conception du couple. Il m'est arrivé d'avoir des compagnons qui ne soient pas du métier, mais comme j'adore aller au théâtre, en parler, lire des pièces à deux plutôt que tout seul, le théâtre prend beaucoup de place dans ma vie. Avant d'ajouter, vivre avec quelqu'un qui partage ce goût, ça facilite les choses. Je ne sais pas si je pourrais être amoureux de quelqu'un qui dirait, oh, le théâtre si est-il vieux. Point. Y a-t-il donc quelqu'un de son milieu dans sa vie? Le mystère reste entier.